We'll be right back.
Non, salut maintenant, parce qu'on entend le son Coucou! maintenant. Comment Ah bah moi j'ai allez-vous? pas mis ma cam. Bah super, j'ai pas mis ma cam, ça va aller. Ah, j'ai fait mon petit pipi. Et bah parfait, on est On prêt va à pouvoir décider alors. y aller. Je cherche ma webcam qui n'a pas envie. Voilà. Bonjour. Coucou! Oh j'ai une grosse tête. Ah, t'as pris la grosse tête, Camille. Ah Depuis ouais! que t'as gagné le quiz d'hier, là. Je trouve que Ah ouais, t'as pris vraiment. grave la grosse Vraiment, je suis bien trop forte. tête. Oh, merci Bip-Bip pour les 12 bits. Oh, bip bip. Merci énormément. Pourquoi Bah, pourquoi bip je... bip, j'espère que ça va mieux depuis hier. Ça allait pas bien. Ah oui, c'est vrai. Comment ça va? T'as passé une bonne journée? T'as passé une meilleure journée? Ah, c'est mieux là, non? Oh, bon, j'ai l'air morte en fait, tout simplement. Oh Coucou, Noriko Connette, comment vas-tu? Nori coconuts, Nori coconuts. Merci pour les 3 bits, bip-bip! Oh là là. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Fabien? Eh ben aujourd'hui, on va essayer de pimper notre chaîne Twitch, chacun de son Ouais. côté. Et du coup, pour ça, on va rajouter des bonnes baffles derrière. Non, pardon. Non, on va mettre des petits icônes mignons pour Voilà. ceux qui prennent soin de nous. Des badges, du coup, pour ceux qui s'abonnent. Et Aujourd'hui, on va sur les badges. ainsi que, du coup, moi, je vais faire un petit icône pour la monnaie d'échange de mon chat qui s'appelle De même. les étoiles. Je sais pas, toi, c'est quoi, toi, c'est des pots de miel? Ben, en fait, j'ai réfléchi parce que je sais pas trop si je garde l'histoire des abeilles ou pas. Ou si je m'accorde avec les badges auxquels je viens de réfléchir. Ouais. Donc, je sais pas encore. Je Je vais sais tenter pas des encore. trucs. Ok. Et eh ben. Donc, effectivement, j'avais pensé à un truc de miel. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, Mais bah. j'aimerais bien changer de thème en fait. Salut, moi de 21-21. Ah. Oui, Ça va un peu mieux? je sais qui c'est du coup, Mouad. Oui, je sais Ah dessiner. oui. Mais vas-y, les cours sont trop chiants vu qu'on est que 7 en classe entière, on fout rien. En plus, il y a un autre mec positif, donc on va finir la semaine. On finit la semaine à 7. Et ben, et merci pour les 3 bits du coup. Eh ben dis donc. Alors, on va Yon. dans transformation. Yon. Profite. Ben, Je réfléchis, hein. moi, à la place de la prof, 7 élèves dans la classe, c'est le Allez. bonheur. C'est ce qu'il nous faudrait. Mais Ouais, j'avoue, profite un peu, hein. bon. Après, ça dépend bien évidemment des niveaux et de ce que tu fais. Si j'avais 7 élèves tout le temps. Ah, et Ah, il je vais y a mettre son ex qui est venu lui parler. Ah bah un peu alors, de constellation. musique. Ouais. Et moi, est-ce que vous avez de la musique là? Je suis censée avoir un truc, mais j'ai l'impression que oui. Ah non, c'est pas positif, non? C'est négatif, j'ai l'impression, vu ta tête. Alors, mon concept de badge, j'explique. J'ai envie que ça soit un truc évolutif. Parfait si vous avez la musique. Dites-moi si vous entendez bien Fabien ou si Est-ce que vous entendez bien, Fabien? suffisamment, voilà. S'il faut, je monte. S'il faut, je descends la musique. Dites-moi. N'hésitez pas. Et Oui. les Coconuts, comment ça va? Tu m'as pas dit? Donc, le principe, c'est d'évoluer. Il y a un petit personnage qui évoluerait, et du coup, j'ai bien envie de commencer par un petit œuf qui va s'ouvrir, qui va devenir ça. Bah, j'ai pas fini celui-là. Voilà, une petite bête qui va un peu évoluer. Et donc, je voudrais faire tac, une autre étape en plus. Hop. Ah non, je me suis trompée là. Dupliquer. Bon, c'est que 14 minutes là. Voilà. Et toi, ça va C'est très pas bien, bien. merci. Oh, merci pour les 100 bits. Waouh. Bip. C'est très négatif, vas-y. Elle me comme une mère, je me suis fait chier 6 ans pour elle et elle revient comme une fleur en disant qu'elle a changé. Je déteste les filles. Oh non. Moi, si ça peut te rassurer, je les déteste aussi. Elles sont toutes nulles. Non, je rigole. Ça Moi, je peux pas dire ça. va. Non, mais non, mais. Te laisse pas voir, juste. Voilà, fais comme ton cœur. T'aimes beaucoup ça. De quoi? T'aimes beaucoup quoi?
Oh, alors là, je suis en train de faire un truc. Ouais. Oh là là, je suis en train de préparer une playlist de musique là et. Ça n'a pas l'air foufou. Hein. Alors l'autre jour, je suis tombée sur une playlist. En fait, j'aimerais bien une playlist Mario, oui. Tu vois, mais je trouve pas. Eh ben, et alors, c'est pas Mario, mais justement, c'est une playlist Nintendo Twitch Friendly. Ah, tu peux me l'envoyer ? C'est pas que Mario. Bien sûr, avec grand plaisir. Attends, je vais tout faire tomber. Ah, avec grand plaisir. On fait des petits réglages. Bouge pas, je t'envoie ça. YouTube. En fait, j'ai l'impression. Alors, faire un Nintendo Twitch. Vous entendez bien la musique? Je l'avais vraiment bien aimé. Hop. Je vais la laisser d'ailleurs ici dans mon stream. Je vais couper l'autre. Okay. Attends, je te l'envoie. Elle est très très sympa. Vas-y, j'ai des primes graves. Je suis le seul à passer en couple. J'aimerais grave trouver une personne bien. Mais il n'y en a pas. J'ai l'impression de tomber que sur des méchantes. Pour être gentil. Oh. Oh, mais merci. Ça viendra. Tu as non, le temps. Ça oui. Viendra. Vraiment. Faut pas que tu. Moi, je vais pleurer hein, si tu continues comme ça. Hein. Ça. J'arrive pas à te l'envoyer, Fab. Ah, voilà. Hop. Je te l'ai envoyé. Hop. Allez. Merci. C'est gentil. Ok. Tout est ok. Du coup, c'est parfait, ça. L'inverse, ça et ça. Donc ça serait un. Attends, je vais commencer du début. Voilà. Pas de soucis, Bibi, bien sûr, vas-y. Parfait. Donc, comment ça va dans le chat? Dans le chat. Je sais plus comment on fait. Je réapprends des trucs, tu vois, par exemple. Certaines symétries. Je sais que maintenant ils ont fait un truc pour faire des symétries spéciales sur Photoshop. Ouais. Mais alors je sais plus où c'est qu'on gère ce truc là. Ils cachent des panneaux en fait, ça que je suis. Comment ça ils cachent des panneaux? Ouais, ils cachent des panneaux. Cache. J'ai pas la bonne version. Ah si, je suis forcément la bonne version. Hein. Si je fais rechercher en fait, on va rechercher. Alors. Symétrie. Oh non, quelle bêtise. C'est bon. Vous voyez pas? Oui, bip bip. Ah, la pub de merde, désolé bip bip. Alors dis-moi bip bip. On propose même pas si. Il va voir, c'est sympa ce qu'il va dire. Oh, c'est sympa, 100 bits offerts. Merci beaucoup infiniment. Oh là là. Bah merci. Je sais pas quoi dire, ça fait super plaisir. Mm. Bah moi ça fait plaisir. J'espère vraiment pour toi que ça ira mieux. Que bah du coup, en fait c'est des passades. Oui, je sais pas quoi dire. C'est ce qu'on dit. Ça me touche. Tu sais ce qu'on dit à propos des ex? Dis-moi. On dit qu'il faut pas retourner avec son ex parce que c'est comme remanger son vomi. Il me redonne 100 bits. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à dire. Je suis désolé, redis-moi Camille, ça m'a. Il faut pas retourner avec son ex parce que c'est comme manger son. C'est comme ravaler son vomi. Voilà. Ouais, après, t'es pas obligé de vomir sur ton ex non plus. Voilà. Bon. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, c'est bien. Alors, l'avenir, c'est essayer de justement de bien rompre. Je pense que c'est une preuve de maturité. Enfin. Ouais. C'est compliqué, mais oui, c'est. Mais bon. Voilà. Je dis pas que à ça. C'est voilà. Possible, mais. Ouais, après, ça dépend aussi ce qui s'est passé, hein. Parce que. Exactement. Non, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas. Toutes les ruptures sont pas pareilles, hein. Non. Ça, c'est bon, faut que je décide, moi, dis donc. Alors. Mais des fois, je pense que c'est pas possible. Non, je pense, ouais. De bien rompre. Effectivement. Bah, en fait, je sais plus comment on fait. Mais il y avait un outil qui permettait d'avoir ça. Alors, ils l'ont mis où? Je vais chercher de partout. J'ai 7 petits personnes. Alors, attendez, j'ai oublié de couper la musique pour en remettre une nouvelle. Hop, elle est là. Vas-y, c'est elle qui me prenait la tête H24 et qui était jamais contente. Merci pour les 6 cheers encore, bip bip. je voulais grave lui reparler. Elle m'a fait tellement de mal et j'ai pas envie. Non, non, mais t'as raison. Faut passer à autre chose, hein. C'est compliqué, hein. Écoute,
c'est pas facile. Elle fait du mal là, pourquoi elle ne rentre pas plus tard, quoi. Exactement. Oh, il est mimi, ce petit bonhomme. Comment ça va? Oh, il y a Kevin. Oui. Trop stylé. Tu Kevin, as-tu passé une bonne nuit? En fait, je voudrais le faire sur Illustrator, finalement. C'est bizarre, quand même. Ah, je sais pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Non, ma luminosité, mais en fait, quand je suis éclairée par-dessous avec ma tablette, on dirait que je suis un fantôme. Mais tu es un fantôme, Kevin. Ouais, c'est vrai. Complètement. Bon, alors, j'ai fait mes croquis pour 7 badges. 7, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Techniquement, il m'en faut 10. Alors là, c'est dur sur un endroit parce que ma tablette, elle est là. Donc, je vais reprendre lui. Et je vais dupliquer. Et je pense alors que là, pour... là, du coup, je fais le thème des... Là, c'est un petit badge que je fais, c'est la monnaie d'échange. Donc j'essaie de réfléchir un peu. Faut se lancer au bout d'un moment, et là, je mettais beaucoup trop de temps avant de me lancer, donc... En vrai, c'est bien de... Tu sais, genre, tu sais pas ce que tu vas faire, mais tant pis, tu dessines. Voilà, je dessine un truc, on va voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait lui rajouter des petites ailes? Non. On pourrait lui rajouter quoi? Ah bah, RIP, moi, oh, bah qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi RIP? Voilà, bah on va faire comme ça. Et maintenant, on va faire un petit tracé pour essayer d'être propre. Un arc-en-ciel. Un halo. Putain, je sais pas. Un halo. Ah, pour se tenir droit, ouais. Bah, je me suis tenu droit, là, 2 secondes, et après... Des petites mains. Tu penses, des petites mains? C'est vrai qu'il aurait besoin de petites mains. En fait, j'ai juste pas envie qu'il ressemble à Kirby, tu vois. Ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Bon, là... Je vais regarder Kirby. Oh, il va compenser avec des bits. Oh, c'est trop gentil. D'accord. Bon, vraiment, il a les mains les plus faciles du siècle, quoi. Bip bip, la prochaine fois, j'ai hâte que tu reviennes sur le quiz parce que c'était dommage que tu sois parti en cours de quiz. Ah, on va faire juste des petites mains ici. On va faire comme ça. Je suis sûr que t'aurais battu Camille. Oui, c'est sûr. Comme je suis mauvaise perdante. Oh, 20 cheers encore, merci beaucoup. Merci pour les beats. T'as mis un petit renard mignon? Ah, t'es éclaté en quiz? Ouais, ben. Par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi? Par exemple, un quiz où. Bonjour. Salut! Un quiz où quand tu. Putain, mais je suis fatigué, moi. Un quiz où t'es sûr d'avoir toutes les réponses. Ça serait sur quoi? Et puis pour en revenir vite fait à l'histoire d'amour, dis-toi que en vrai, on apprend petit à petit. Hein. C'est finalement, on est tous un peu. Ah, ouais, j'aime bien, c'est Wii Sport. On est tous un petit peu bêtes au début, hein. et on l'est toujours même adulte. Hein. C'est clair. On va lui faire un petit. Ah bah au pire on pourra changer en fait pour là on pourra changer la couleur de la corne. Et pour le dernier. Honnêtement j'en sais rien, à l'oral de brevet j'ai réussi à sortir que Hitler était né en Allemagne. Alors bon, je n'ai aucune chance dans tous les cas. Et du coup. Non mais c'est pas si déconnant que ça, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave ça. Il est né en Autriche, non? Oui, ouais. Mais si t'avais dit, encore tu vois, si t'avais dit genre Hitler il est né au Brésil, oui, voilà. T'aurais dit mec... Et what if, ça va pas, alors. What if Hitler voilà. Born in voilà. Brazil. Mais il y a un moment où tu dis, oups, il y a un moment où tu dis Hitler est né en Allemagne, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est vrai. Pas... Franchement il y a pire quoi, il y a pire. Je suis désolé, il y a Whisper là qui sonne dans ma tête, je suis obligé de siffler.
elle est cool ma playlist, hein. Ouais, j'adore. Franchement. Tintin. Tadadam, tintin, tintin. est-ce que je fais un genre. On s'ambiance de ouf là. Je sais pas ce que je fais. Là, j'ai fait une aura. Ah, bah vous vouliez un karaoké, hein. Non, mais je rajouterai une aura. Faut aller follow, hein. Faut aller follow si vous voulez des karaokés, hein. Ah ouais. Voilà, une aura ici. Ah, elle est pas mal là. Si j'enlève les règles. Et en dernier. En vrai, ce serait plus les jeux où j'aurais une chance. Bon, on fera un des trucs un peu plus jeux vidéo, hein, je pense. Mais sur Terre. Mais je serais quand même éclaté, car je joue pas beaucoup de jeux. Tu joues à quel genre de jeu? T'as la Switch, t'as quoi comme jeu, Kevin? Kevin, pardon, bip bip. Et ben en dernier. Hop. C'est modifiable à volonté. Hein. Hop. C'est juste du. Clash of Clans, Brawl Stars. Quand je m'ennuie. Ah d'accord, c'est des jeux mobiles. Ça, c'est des jeux mobiles, Clash of Clans, je crois. Oui, 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 bien sûr. C'est très bien. Et vous? Eh bah, ça va super. Ça va super. C'est qui dit ça? C'est Kevin. Eh bah, ça va, Kevin. Ah, ça y est, je viens d'avoir Whisper. Ah, on est un petit décalage. Oui, ça. Attends, c'est on va se synchroniser. Attends, t'es à quelle minute? Attends, faut que je roule la fenêtre. Ah. 7 minutes 20. Ok, alors attention, tu me mets à 7 minutes 25. Tu me dis dès que t'es à 7 minutes, ouais. 25. Maintenant. Ah, oh, bah non, c'est passé, 30. Attends, ah, vas-y, merde. mets-toi à 40 si tu veux. Ok, alors attends. Je me mets à 52. Tu me dis dès que t'es à 7 minutes 52. Vas-y. Putain. Bon, hein, à 55, à 7,55. Oh, merci pour les 5 bits. Ah non, non, ça s'est mis en pause. Attends, ah. Attends, vas-y. Je te dis dès que je suis presque. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, on va ça pas fait, être synchro fait... de ouf, hein. Ouais, mais c'est pas très grave. Non. Mais ça fait vraiment chaud au cœur, bip bip, ça fait super plaisir. Merci, merci infiniment. Alors... que je peux faire, je pourrais lui rajouter genre des petites étoiles, des petits trucs comme ça, des petits, ce sera très coloré. Désolé, je pense que je vais lui mettre ici. Oh, un axolot. Ok, vas-y, va donner des petits coups de main à Camille, pas de soucis. Envoie des axolotes à Camille. C'est gentil. Alors, c'est où? Là. Franchement, ça va être pas mal mes balles si je fais un truc sympa. Comment faire? Parce que le badge, il sera comme ça. Le bip bip. Qu'ils sont mignons, ces petits axolotes. C'est fou, je suis pas venue pour ça. faut que je trouve une photo. Une couleur, pardon. Cool. Merci beaucoup pour les 5 bits. Merci bip bip. C'est adorable. Faudrait que je fasse un truc pour les bits aussi. Il y a des tiers. Des tiers bits. Je regarde. Ouais. Alors, quelle couleur utiliser pour cette étoile? Je suis sur un site là qui me propose des couleurs. De rien beaucoup. Alors, comment on va faire? On va prendre ce petit œuf là. Et on va le copier. Et on va l'ouvrir dans un carré. Il est pas ouf, hein. Merci pour les 5 bits, merci beaucoup. Et on va le coller. Je suis peu inspiré ce soir, dis donc. Il y a des jours comme ça. Ça va venir, ça va venir. Ouais, ça va venir. Enfin, peut-être. C'est très pixelisé, mais c'est normal, ne paniquez pas.
dire, c'est bon comme ça. Alors. Est-ce qu'on lui fait un tour? Il fait peur, lui. De quoi tu parles? Le mien? Non, je pense pas. Si, si, c'est le mien, hein, on a vu. Bah, je sais pas, je veux que je sois. C'est ton. C'est ta monnaie que t'es en train de ouais, faire? Ouais, c'est ma monnaie, ouais. Bon, pourquoi ça? Le Gugus des bits. Ah, c'est un genre juste un triangle, ça, non? C'est rien? Ah, non, d'accord, je viens de comprendre. De quoi? Et c'est un emote de bits, oui, il fait très peur. Tu utilises Photoshop? Non, j'utilise Procreate. Moi, c'est Photoshop. C'est sur iPad. C'est plus drôle aussi, comme ça aussi. Je peux déjà supprimer ça. Alors, c'est pas tout à fait une jolie forme d'œuf, ça. Payant. Alors, payant une fois et après, gratuit. Donc, en fait, payant une fois, c'est pas un abonnement. Alors que moi, c'est un abonnement et ça coûte cher. Ouais. Je veux pas créer comme ça. Pas tout à fait ce que je veux. C'est de toute beauté. Merci. Ben en fait, on va faire comme ça. Ah. Dommage, j'aurais aimé plus de traits. Je pense pas. Si je fais ça. On va tenter un truc. Tout. Pouidoudou. Pouet. Là, c'est pas ça que je veux. C'est pas tourbillon, c'est repoussé. Pout. Voilà. Pout. On n'est pas tout à fait synchro. Non, mais c'est normal. Alors, est-ce que ça ressemble bien à un œuf ou pas? On va enlever ça. Non. Merde. Je veux un œuf parfait. Pout. J'ai trop envie de me remettre au dessin. Eh ben, il faut. Tu dessines sur quoi? C'est qui dit ça? C'est Nori Coconut. Nori Coconut. Bah, faut se mettre, hein. Tu sais qu'il y a en plus, il y a Inktober. C'est le meilleur moyen de. Ouais, j'avoue. De s'y mettre. L'autre jour, il y a quelqu'un. Alors, c'était quel jour que je dessinais toute seule en stream? C'était samedi matin, peut-être. Il y a quelqu'un qui est venu sur mon stream et qui était en freelance, en dessinateur freelance. Ça, enfin voilà quoi, quand même excellent. Ouais, t'as eu la pression. Non mais c'est, merci pour tes 27 bits, bip, un peu de tout, plein d'emotes. Non tu sais, c'est, t'admires quoi, t'as envie d'être freelance comme lui. Ouais, c'est stylé quand même. C'est, je sais pas. C'est moi, bien. C'est... Oui. Moi, j'aimerais vraiment. Tu vois, c'est mon but final. C'est l'ultime but, l'ultime bafouille. C'est bon, ouais. Voilà. Après, c'est beaucoup de boulot. Hein. Je sais, mais c'est... techniquement, c'est ce que je voudrais. Un jour. Ça ne va pas du tout. Oulala! Oulala, bip bip! Oh, merci. Merci pour tous ces trucs là. Merci beaucoup. Et paf, je débarque comme ça. Waouh! C'est une appli. Trop stylé. C'est une appli sur quoi? Mais fonce, hein, franchement, si t'as envie de dessiner, il faut le faire, profites-en. Hein. C'est quelle appli qu'il utilise? Krita. Krita? Je connais pas du tout. Krita. K-R-I-T-A. Ah, si, je vois ce que c'est. C'est ça marche avec le tactile, c'est pas mal. C'est bien pour, okay. pour commencer à s'y remettre. Mais après, surtout sur papier, il dit. Il ou elle, je sais pas, je suis désolée. Je vais dire Yel. Yel, la chanteuse? Comme ça je suis sûre de pas. On va essayer de faire un truc sympa. Je dis ça à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est toujours sympa. Donc ouais, c'est... mais des fois c'est nul.
J'ai pas tout reçu là. Ah ouais, il y en avait encore plus. Ah merde, bah faut... moi je veux tout recevoir. Hein. T'as pas tout mis là. Ah oh, merci pour les 26. Les 26 bits, merci beaucoup. C'est beau que tu puisses voir tous les... Ah ouais. Toutes les emotes. Padadada, papapa. Ah, je suis trop content. Ça sent bien. Pourquoi aller voir cette musique ? Ouais. Moi aussi. Ok, alors ça c'est mon petit teuf du début. C'est pas juste. Et on va... Oh, je suis... c'est mon petit teuf. Ce que j'aimerais. Non, ce que j'aimerais c'est pouvoir grouper ça et mettre un masque d'écritage. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va se... Ah, c'est pas mal là comme monnaie, non ? Je sais pas ce que t'en penses quand même. Ah, attends, je vais aller voir. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Ici. Et là, hop, par contre, faut que je coupe ton son. Bah, bip bip, faut pas être désolé, c'est normal, on a tous une vie. Gros bisous, et bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Ce soir, on se fait un pic au parc, on va bien se marrer, à mon avis. Ah oui, vous, si on tu, va vraiment si tu rigoler. Passes, si tu passes par là, ça nous fera vraiment plaisir, en tout cas. Merci infiniment, en tout cas, pour tous ces bits. Passe une bonne soirée. À toutes, sûrement, trop cool. Bisous, les axolotes. Bisous, attends, j'ai 600... C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce que j'ai fait au milieu, là ? Ça, là ? C'est la monnaie. C'est les étoiles que tu peux échanger sur ma chaîne. Ah, Pico Park ! C'est un jeu où faut être en coop à 8, tu peux aller en coop jusqu'à 8 et faut vraiment, c'est un jeu de plateforme en 2D et faut, on va se, en fait faut que tout le monde s'entraide et s'il y en a un qui fait pas le boulot bah du coup c'est la merde, donc ça va être super drôle à mon avis, vraiment on va très stylé, ça te va tant que tu valides, moi ça me va, ça te va. Non c'est très bien, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que du coup ça reste une pièce, tu vois. Ouais. Je vais essayer de faire un peu des volumes. Ouais. Oh bah je veux pas louper ça. Et bah moi ça me fait plaisir si tu passes en tout cas. Et bah encore merci pour les 1 bit. Merci. À tout à l'heure. Comment on va faire ? Aérographe, on va faire ça. On va s'ouvrir un petit peu par ici. On va s'ouvrir encore. Désolé, vous voyez vraiment le haut de ma tête, hein, mais... C'est le problème des dessinateurs. Pardon, ouais. C'est le problème des dessinateurs. On devrait se dessiner, on devrait s'acheter une casquette avec notre tête dessus, tu vois. Oui. Merci pour les 3 bits, bip 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 bip. À tout à l'heure. Bip bip est trop gentil. Ah oui, mais c'est parce que j'ai mélangé son pseudo avec Bits, et du coup ça donnait Bits Bits. Bits Bits. Mais vraiment adorable, bien sûr. Ah bah oui. Hop. Alors, divisible. Mignon. Et on va faire... Et maintenant... Ça vient chaud par ici, oui. Bisous, à tout à l'heure. Hop. Division. Oh non. Tout à l'heure, à l'école, enfin au boulot, quoi. Je me suis
retrouver sans faire exprès à siffler en fait. J'étais tellement concentrée dans ce que je faisais. Ah, et pourtant, j'écoutais pas de musique, rien du tout. Ouais. Il y avait le directeur dans la pièce à côté. Et du coup, il a dit quoi? Bah rien, mais je me suis sentie trop mal. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il a pas entendu quoi, parce que vraiment, ça serait fou mal. Siffler. Ouais, mais bon. À l'école, tu sais, t'es censé montrer l'exemple. Tu sais, souvent, les gamins, tu leur dis, on siffle pas à l'école. Ouais, oh. Franchement, s'il a mal réagi, c'est bizarre. Hein. non, mais bon, il a pas du tout mal réagi. Et ce matin, on m'a demandé si... Enfin, les maternelles, parce qu'il y en a qui me connaissent pas, ils viennent me voir et ils me font... t'es une maîtresse ou une maman? C'est mignon. Mais ouch un peu quand même. Ouch, une demi-ouch. Ouais, mais en vrai, ça va, parce que... En vrai, à la fois, c'est drôle, parce que... On me dit ça, parce que les maternelles, ils se rendent pas compte de l'âge ou quoi. Et tout à l'heure, je pars et il y a une collègue que j'adore, une ATSEM de la classe des grands... des grandes sections, je lui dis au revoir et elle me dit oh, on dirait une petite étudiante stagiaire et tout. Mais bon, elle est tellement mignonne, je ne voulais pas, mais Mais tu aurais voulu si elle était pas mignonne, c'est ça? Oui. Heureusement qu'elle était mignonne, hein. Heureusement qu'elle était mignonne, vraiment heureusement pour elle, sinon elle était dans la merde, c'est ça, parce qu'en général tu les écartes elle et tout. Bah oui, quand on me dit ça, moi d'ailleurs j'ai fait réflexion à quelqu'un hier, c'est vrai, sur mon stream. Ah. Hier ou avant-hier, je sais plus. Parce qu'hier, j'ai pas entendu, mais c'était peut-être... Alors, pas hier, mais la fois d'avant, quand j'ai joué à Thief. D'accord. Je sais plus quel jour c'était. Quelqu'un m'a dit, genre, oh, quoi? Mais t'as 28 ans, mais tu l'es... Et après, qui a commencé à dire, oh, je t'aurais plutôt donné 14. Et là, j'ai fait, alors tu vas vite faire attention, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'énerve grave. Tu risques le bannissement. Mais j'ai dit gentiment, je dis par contre faut faire gaffe parce que ça m'énerve beaucoup. Et du coup elle dit oh non, j'arrête alors et tout, et on a parlé d'autre chose. Hop. C'est quoi que j'ai mangé? On dirait maintenant, on dirait une pizza. Qu'est-ce que... Ah, mince, alors attends. Wow, je fais tout casser encore moi. Fais voir. Pourquoi tu trouves qu'on dirait une pizza? Non, tu trouves pas? Ah, oh, je sais pas. Non, bon, on peut laisser comme ça. Ah, parce que ça peut faire comme des parts un petit peu. Ouais. Non, on voit que c'est une pièce, moi, je trouve. Ça va. Bon, allez. Adjugé vendu pour la monnaie. Moi, j'ai mon premier badge. Mais il est tout simple. Oh, j'ai l'impression que niveau créatif ce soir, c'est pas ça. Hein. Oh là là. Ça va le faire, ça va le faire. C'est poussif au possible ce que je fais là. Je creuse. Mais tu sais, mais des fois il faut se forcer un peu. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, va falloir. Hein. Inktober arrive bientôt. Ouais. En vrai, j'ai un peu hâte. Ouais. Bah, tu sais, je t'ai dit hier, j'ai envie de. J'ai envie de commencer avant, tu vois. Bah ouais, vas-y, hein. Si tu veux. Ouais. Mais bon, en même temps, je saurais pas trop. Et c'est vrai. Oui, tous les thèmes, ils changent vraiment chaque année. Après, il y a... Des fois, il y a des thèmes qui retournent, des fois. Ouais. Là, je suis pas mal. Alors, on va faire un truc en dessous. Oh ! Mais non. Si. C'est fou. Hein. C'est ouf. Bon. Ok. Allez. Un peu d'ombre. C'est un truc de fou. Oh. Okay.
Alors. J'arrive pas à trouver. Non, c'est pas la bonne couleur. Comme ça plutôt. Ça marche. J'ai super hâte de jouer à Pico Park. Ah, moi aussi, grave. Ça va être super bien. Je pense que mes badges, je les mettrai, même si je les mets sur ma chaîne, je les mettrai quand même sur mon Etsy pour voir. Et après, si je veux en avoir des uniques pour moi, je les je m'en referai d'autres. Ça marche. Je pense que je peux faire ça. En fait, ouais, je vais peut-être faire des badges pour Etsy d'abord. On verra. Je vais peut-être les faire sur Illustrator, c'est plus simple. Ouais. Tu préfères faire d'abord sur d'abord pour Etsy que pour toi? Ouais, en vrai. Bon, après, en fait, non, en fait, je vais les faire. Ouais. Et puis s'ils me plaisent, et ben du coup, je les prendrai pour moi et certains non, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors déjà, je vais les ajouter sur Twitch, on va voir. Alors. Oui. Ouais, dis-moi. Oui, non, c'est pour ça que je dis moi, je les mettrai pour moi et sur Etsy, tu vois. D'accord. Comme ça. Moi je m'en fiche que ce soit pas unique et puis après je referai d'autres si j'en veux, tu vois vraiment. Ouais. Si ça ressemble à aucun autre. Tableau de bord de créateur, on va juste mettre paramétrer ce petit truc là. Ah, Bibip a été super gentil. Vraiment, vraiment. Ouais, grave. Super gentil. Un amour. Hop, et ben voilà, j'ai ma première, j'ai mes deux premiers badges. Je suis plutôt contente en vrai, ils sont stylés. Je me la pète un peu. mais en vrai, c'est rare que je sois contente de moi comme ça. Donc en vrai, c'est cool, mais bon, c'est pas grand-chose. Alors, affilié, et moi pour changer, donc c'est... Comment ça s'appelle déjà? C'est les... Merde, c'est pas les Cheers? Non, c'est pas ça. Badge de niveau de bits. Ah, tu peux changer ça aussi, ouais, badge de niveau de bits, ok. Ah oui, on voit en plus le nombre de gens qui l'ont, c'est trop bien. Je découvre un peu... Ah oui. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Okay. Est-ce que je peux découper tout un groupe Stylé, c'est stylé. On peut les modifier en direct, c'est trop bien. Mmh. Oh putain, y a du boulot, hein, ouais. Ok. Comment j'ai fait? Aucun sens. Ok. Ça marche pas. Si je fais ça, ouais. Et... Petit badge. Je sais pas. Ah non, j'ai pas du tout réussi. Non, je peux pas effacer sur plusieurs... Ah. Voilà. Je trouve pas en fait où c'est que je change déjà, c'est récompense. Ah, c'est les points de chaîne, c'est ça que je cherchais. Voilà. Ah oui, d'accord. Modifier, et voilà, je peux glisser l'image en question. Bon, vous allez voir le changement en direct. Alors, une petite pièce. Voilà. Je formule pas la dimension requise. Forcément, ils sont cons quoi. Des fois ils demandent du 28, des fois ils demandent du 112, des fois ils demandent du 56 par 56. Oh là là, casse les couilles. Alors, du 112. Okay. Voilà.
Voilà, tu veux du 112? Bah t'as du 112. Hop. Et c'est là qu'on va faire notre petite bête. Voilà, où est-ce que t'es écrit? Je vais faire comme ça. Ah non, c'est pas ça que j'ai lu. Voilà. Là, elle est bien. Yes. Ah merde, ça ne va pas. Ah mais faut que je les fasse à tout, à toutes les tailles. Oh putain. Oui. 56 par 56. Voilà. Enregistré sous. C'est pas la bonne couleur. Voilà, là c'est la bonne couleur. J'ai perdu mon mojo. Ce soir. Comment ça? Non mais j'arrive pas à être satisfait de ce que je fais. C'est pas très grave. C'est pas grave, mais bon. Des fois, tu sais, juste. Ouais. En se forçant un peu. Des fois, se forcer, ça marche pas du tout. Alors. Hop là. C'est ça qui est chiant, c'est que souvent, on a les idées pas du tout quand on peut. Bah les... ouais. Exactement. Voilà. Maintenant, normalement, sur le live, dans le chat. Vous avez... Est-ce que ça a mis à jour? Oui, ça a mis à jour. Même sans actualiser, ça a mis à jour. Voilà. Là, vous avez des étoiles. Stylé. C'est très stylé. On voit pas bien quand même hein, ce que c'est. Hein. Je sais pas si... Vous allez voir que c'est bah, en vrai, on voit pas fort que c'est une étoile. Mais bon. Bon, tant pis, c'est pas grave. On voit quand même un petit peu, mais en même temps, c'est si petit, on peut pas. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas ouais, possible. Ouais, c'est. C'est normal, hein. C'est vrai. Mais je sais pas pourquoi il existe en 112. Oui, je sais pas non plus. Ça, c'est des choses. Je... Alors, là, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Hop, voilà, vous voyez. Allez, voilà. On va passer à autre chose. Donc on avait dit pour les bits. Alors je vais aller mettre des idées. On va aller voir affiliés. On va s'occuper des bits. On fera après les abonnés. Alors, je vais mettre ça ici. Allez, mets-toi dans la pile. Voilà. On a dit des petits yeux. Je sais pas de quelle couleur j'ai fait ma petite créature. Alors, donc on a du 1, du 100, du 1000, du 5000, du 10000, du 25000. On va essayer de garder le code couleur, d'ailleurs, on va se le récup. Je pense qu'on va s'arrêter à 70000 parce que je pense qu'il y a peu de chances qu'on aille au-delà, ça sert à rien. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, on verra dès qu'on y sera. Hein. Oui. Alors, pour l'instant, on va faire juste des petits yeux comme ça. On va passer sur Illus. Oh, j'ai vu mon petit badge. Et maintenant? Et bah maintenant, on récupère ça. On duplique.
et on coupe en deux. Ça on enlève. Ça on aplate. Non, ça on enlève. On aplatit. Ah, est-ce que je garde ça? Non. On aplatit. Et on coupe en deux. Voilà. Non. Cette musique est chelou. Celle qui fait tout, 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 tout. Ouais, voilà. Je crois qu'on est au même endroit. C'est là. Je vais switch on Illus, donc du coup là il faut que je change la fenêtre, les zamzam. Voilà. Alors je suis à deux temps, c'est un truc de fou. Oh vraiment, Cam, c'est fou. C'est fou. Ça arrive, hein. Temps. Voilà, terminé. Alors il va falloir que je réduise un petit peu la taille. Parce que maintenant on va faire apparaître la petite bête. Allez, hop. C'est quand tu veux. César, ouvre-toi, yes. Oh, regardez ça. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver à quoi elle va ressembler cette petite bête. Ouais, la petite réflexion. Alors, c'est parti. Nouveau calque. C'est peut-être trop grand. Mmh. Ah oui, je voulais importer les couleurs pour avoir les couleurs. Faire comme ça, on dirait que ça s'est tombé. Voilà. Prends. Je vais me mettre aussi dans la boucle. Ce sera plus simple. Et hop, c'est tombé. Hop là. Et ça aussi. Je respecte le code couleur hein, des différents trucs. Ah oui. Voilà. Les badges, ils sont quand même vraiment petits. Hein. Ils sont vraiment petits. Bah, je sais pas, toi, si tu fais beaucoup de détails. Attends, faut que j'aille voir sur ton stream. Non, je fais pas... Enfin... Pas énormément de détails. Ça donne ça. Attends, si je me décale. Il y a des trucs qui vont pas forcément se voir, mais... Ah, j'ai une pub. Non. Le mec il s'est fait avoir. Je laisse ce truc, j'ai pas fini encore, mais je te... Je pense de loin on verra pas trop mal ce que c'est, tu vois. On va s'arrêter là déjà pour les deux. Alors j'ai toujours une pub, voilà, là maintenant je vais pouvoir voir. Alors, oh, c'est mignon. C'est trop stylé. Merci. Trop trop bien. Merci. Donc voilà, normalement ça devrait se voir. Et là je vais faire ma petite créature à l'intérieur. Mais je ne sais pas de quelle couleur je vais la faire. Je pense que je vais la faire un peu rosée. Rosée Joséphine. Osée José. Pour ceux qui connaissent. Hop là. Je vais garder cette couleur. Je vais faire un petit rond. Il y a un Lego store qui a ouvert à Grand Place, qui est un grand centre commercial là où j'habite. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'est toujours hors de prix, mais bon, en vrai, why not? J'irai faire un tour, je pense. Je pense que ça doit être à la place du Disney Store, à mon avis. Ça, par contre, ça me brise le cœur. Ah ouais.
Ouais, c'est triste. Ça, clairement, ouais. Qui est déjà allé à un Disney Store, là, ici, parmi vous? À moi, déjà. Ça m'énerve! Moi aussi, ça m'énerve, là. Ils ferment les Disney Store, là. Ouais, ça me rend très triste. Hein. Écoute, ça va toujours. Et qui? C'est notre petit pote de Turquie. Ryan. Qui c'est Ryan? Mais chier, non, il est rose. Si je lui fais les yeux bleus, ça va être Kirby. Il faut pas du tout que je fasse ça. Chier. D'ailleurs, c'est lequel ton vrai prénom? C'est putain, il a parlé là-haut le truc. C'est Ryan ou c'est Mouad? Moi je fais les badges pour ceux qui donnent des bits. Camille elle fait des badges pour ceux qui s'abonnent. Et ce sera la même chose pour moi. Après on va switcher après. J'aurais pas le temps de faire le reste aujourd'hui, je pense. Hein. Je sais même pas si j'arriverai au bout de ce que je suis en train de faire. C'est Ryan, car je suis un rayon. Et oui, tu es un rayon de soleil, Ryan. Oh. Peut-être un petit lissage, ça ferait pas du mal. Hein. Mais il me manque une barre. Elle a disparu, ma barre. Attendez. Il manque des éléments, là. C'est le moment de la journée, on a des lunettes, là. Hein. Je reviens. J'arrive. Ok. Non, c'est pas ça. Pourquoi elle a disparu, cette fenêtre? Je sais pas comment elle s'appelle, en plus. Ok, c'est sa forme, on s'en fout. Après, je peux les caler là aussi. C'est pas mal. Ouais, c'est là. Couleur aussi. Voilà. Oh là, elles sont tordues mes lunettes. Et surtout elles sont sales. Regardez ce que j'ai ramené. Ok, c'est ces infos, on s'en fout. Regardez ce que j'ai ramené. Alors qu'est-ce que t'as ramené? Mon petit chat, c'est mon petit Loki, mais il est pas content. Mon petit Loki. C'est la lumière ou t'as fait quelque chose à tes cheveux? Oui. T'as fait quelque chose à tes cheveux? Non, vraiment pas. Ah, c'est la lumière. On dirait que tu les as blanchis, ils sont tout blancs. Ah, on dirait qu'ils sont blancs, oui. En fait, la lumière violette bleutée comme ça, on dirait qu'ils sont... En fait, ça enlève le doré des cheveux, le jaune des cheveux, on va dire. Ryan, il dit... Effectivement. Ryan, il dit, t'as fait un pancake pour les points de chaîne, tu vois, Camille. Non, c'est une sorte de pièce avec une étoile dedans. Oh, mais non, mais c'est... En vrai, il est super bien, moi, je trouve. Enfin, elle est super bien, parce que c'est une pièce et pas un pancake. Ah oui, tu parles de mon dessin ou de mon chat? Attendez, déjà, pourquoi mes lunettes, elles sont tordues? Waouh. Genre là, c'est ok. Putain, j'arrive pas à faire revenir la fenêtre qui a disparu, sérieusement, c'est fou, ça. Je suis obligée de faire comme ça, mais ça ne va pas. Il y a un problème. Pas plein de travail, peut-être. Non, pas plein de travail. Plein de travail d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'était fermé? Merci. Salut Tanguy. Alors, on va mettre quoi comme ça? Je suis en train de chercher un truc à la con. Sérieusement, il est passé où? On va mettre plus son. Coucou Tanguy, comment ça va? Ça non plus. Je suis en train de vous mettre toutes les fenêtres.
Hallucinant ça. J'ai une fenêtre qui a disparu, Cam. Je sais pas comment la faire réapparaître. Ah non. En fait, là-haut, là. Essaye du coup Windows Mage. Non, non, c'est pas vraiment une fenêtre. C'est, en fait, en gros, c'est un. Ah non. C'est un bout de fenêtre sur Illustrator. Ouais. Et je sais pas où. Tu peux pas genre l'enlever et la faire réapparaître avec ton outil, là. Bah, je suis en train là d'essayer de. Je cherche tous les trucs, mais. Ah, honnêtement, c'est. Comment c'est passé? Eh ben, je ne sais pas quoi te dire. Ah, barre d'outils. Ah, c'est ça. Attends, barre d'outils avancée. Non. Non. C'est moche. Je vais essayer comme ça. C'est peut-être ça aussi, contrôle, du coup. Ah, c'était contrôle. Putain de sa mère. Putain, pardon. Pardon. Pardon, c'était un petit peu violent. Mais en colère. C'était un petit peu violent. Non, ça marchait pas le contrôle Z. Malheureusement. C'est bon. Ok. Cette fenêtre est beaucoup trop grande. Hop là, ok. Je te l'avais dit, hein. Non, t'as pas du tout fait contrôle Z. J'ai pas du tout fait contrôle Z, par contre, pour de vrai. Par contre, j'aimerais bien avoir un petit lissage. Je suis contente d'être compressée ici. Ok. Bah écoute. Ah, voilà. Forme calligraphique. On va la régler. Tu peux découper cette poule. Eh bah oui, on se relaxe tous. Ouais. Alors. On va mettre ça là-dessous. Non. Ça, voilà, comme ça. Ok. Ah ouais, j'ai oublié de... C'est cool, ça marche. Par contre, du coup, beaucoup trop gros, hein, ce contour, cette forme calligraphique. Voilà. Yes, c'est bon. Alors, c'est parti. Alors ça c'est bien curieux. Bah épicurieux j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Ok, hop. Hop là. Faut vraiment que je me chauffe un peu plus. Je reçois toutes mes notifs, c'est un peu chiant. Oh, hop là. Il a dit qu'il était fier de moi, Dora. Mmh. Ryan. C'est marrant quand même ces lunettes. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont tordues mes lunettes, mais en même temps. Mais elles sont pas du tout tordues. En même temps. Si. Ah si. De... Bon, c'est pas grave. C'est la musique un peu rigolote. Un peu rigolote. Rigolote. Je suis la musique rigolote. J'ai fait de la merde. Voilà. Alors. C'est le pas du tout comme ça que je le voulais, en fait, mon petit personnage. Et mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Pinder. On dirait un clou. Bah, c'est le but. On dirait un clou. Non, mais pas toi. Eh bah... Oui, mais c'est vrai que du coup, effectivement, c'était exactement le moment que t'as choisi pour tirer. Je suis d'accord, c'était... Ok, ok. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et le cirque, venez voir les animaux qui sont en cage, c'est triste. Venez prendre... L'ampleur de cette exploitation. Bref, il a arrêté. On dirait qu'il est tout sale, mon bestiau. Putain. Hop, 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 hop. Comme ça. Comme ça. Comment est-ce que ça donne si je sais... Ouais, je préfère cette couleur, en fait. Je voulais vraiment pas le faire rose.
Il y a les cirques. Il y a les cirques virtuels maintenant avec des animaux en hologramme. Sérieusement? Ah bah ça c'est cool. C'est une vraie info ou c'est une fausse info? Ça enlève un truc hein, quand même. Enfin, non pas que j'appréciais le truc, mais je veux dire, du coup il y a vraiment. Ah oui, mais du coup, en fait, le mieux, c'est... j'en parlais l'autre jour avec Jess, mais en fait, le mieux, c'est juste de. Bah oui, genre. Qu'y a rien. Ah, attends, excuse-moi, j'ai débranché. Artiste, tu vois. Quoi? J'ai pas entendu ça, quoi. Le mieux, c'est de pas mettre d'animaux. Le mieux, c'est de pas mettre d'animaux, mais des artistes. Bah, bien sûr. Pourquoi? Et du coup, pourquoi forcer. Non, mais je suis totalement d'accord, mais pourquoi forcer. Enfin, je veux dire, le truc avec des faux animaux après, du coup, ça enlève tout, y a plus rien. Ah oui, bah oui, non, mais bien sûr. Là, on est d'accord. Ah, mais non, mais je suis totalement après, d'accord. En vrai, s'il peut y avoir un truc assez spectaculaire avec des hologrammes et des animaux, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme on dit souvent les véganes, ils veulent plus manger de viande, mais ils veulent manger des trucs qui ressemblent à la viande. Mais en fait, c'est pas le principe du goût de la viande, c'est le principe de manger des animaux. Non, Camille, il y a que toi qui dis ça. Personne dit ça. Non. Non, mais je rigole, c'est une. On le voit souvent. Mais tu sais, genre, ça arrive souvent qu'on entend ce genre d'argument. Oui, genre, ah, mais pourquoi tu veux manger des saucisses végétariennes? Pourquoi tu manges pas juste des légumes, quoi? Pourquoi tu veux que tes aliments ressemblent à de la viande? Parce que t'as rien contre le goût, c'est juste le principe, tu vois. Ouais. D'ailleurs, donc, Camille, je sais pas comment te le dire, mais ouais, je comprends pas. Non, mais voilà. Tout ça pour dire, ça, si ça apporte quelque chose, enfin, tu vois. Si c'est fait pour apporter un truc, ça peut être, pourquoi pas, enfin... C'est vrai. Alors du coup, Tanguy qui dit que ça existe et qui sait pas comment ça marche, mais que ça existe. D'accord. Quand tu vois la télé a évolué en qualité, ça se trouve, dans 5-10 ans, ça sera vraiment de la folie les hologrammes. Bon, ça fait des années qu'on on entend parler des hologrammes. Regarde Mélenchon, par exemple. Ouais, c'était tellement déçu. Ouais, Mélenchon, il y a un truc en hologramme. Non, mais bon. Vous savez ce que c'est un hologramme? C'est pas une vitre, hein. L'hologramme que vous avez vu là, c'est du même niveau que les blagues à Disneyland là, dans la maison hantée, c'est pareil. Tout ça pour dire que vraiment, si ça peut apporter quelque chose, ça peut être intéressant. Tu vois. Mélenchon était avant nous sur Twitch. Et bah, figure-toi que non, j'étais inscrit avant lui quand même. Oui, mais moi pareil, j'ai commencé à streamer avant lui. Ouais. Ouais. Quand je faisais de la musique. Ah, c'est clair. C'est vrai. Je tiens à le dire. Bah dis-le. Dis-le avec tes tripes. Je le dis parce que ça m'énerverait de penser que Mélenchon était sur Twitch avant moi. C'est pas vrai. Puis il arrête pas de le dire. Il dit oui, j'étais là avant Camille. Vous connaissez Camille et Fabien, j'étais là avant eux. Oh. Non, Mélenchon. Vous voyez comment il est, hein. Franchement, quand il dit un truc, après, t'as pas envie de le contredire, parce qu'après, ça part en couille. C'est ça, après, il fait la République, c'est moi. Ouais, Twitch, il parle. C'est moi. La République, c'est tout. Non. Oui, attends, j'ai loupé. Mais tu m'as tué. Oui, je faisais de la musique, Nori Coconut, je vais jamais... Nori, je peux taper Nori Coconut. Non, mais ça va, en vrai. Je faisais de la guitare sur Twitch à un moment. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais... pas beaucoup non plus, mais... Fabien, tu dessines bien. Eh bah c'est gentil, merci beaucoup Ryan. C'était une blague, je crois. De quoi? Non, mais c'était un jeu de mots de Ryan, je crois. Ah. Il a dit, Fabien, tu dessines bien. Ah. Mais t'inquiète, Nori, c'est très... Ok, bah écoute, je t'appelle Nori, alors, si ça te convient. C'est gentil. Ah, bah ça ne va pas. Ça ne va pas, ça. Alors c'était combien ça déjà? Attends, faut que je vois. Laisse-moi un petit peu, mais t'en fais plus. Bah ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'aimerais bien retester un jour. Mais peut-être... Non, c'est pas la peine, Camille, c'est bon, t'inquiète pas. pas... Non, mais je me dis peut-être quand il y aura plus de monde que je me sentirai pas trop seule à débarquer avec ma guitare, tu vois. En prenant le risque qu'il y ait personne, je pense que ça pourrait me dégoûter. Non. Tu comprends, mais en fait, jouer à un jeu quand il y a personne, je m'en fous. Par contre, primer de la musique, c'est pas pareil.
À voir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, quoi ça? Ah non. Merde. Ah ça c'est dommage ça. Voilà, ni vu ni connu. Non, c'est trop gros. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très bonne blague, je pense. Non, mais je sais pas, il me dit hum. Du coup, faut que je sélectionne ça en plus. Ah putain, je sais plus comment on fait. Oh. Faut vraiment pratiquer parce que, vraiment, quand c'est les vacances qui sont passées par là. C'est terrible. Terrible désillusion. Ouais, t'as raison, c'est pas ouf hein, ce que je fais. Alors, on va enlever là. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, pas plus comme ça. Bon, c'est là que ça va se compliquer hein, en vrai. Donc là, j'ai mes 4 premiers badges. Ok. Et maintenant... Oui, voilà. C'est une blague, je dirais même excellente blague. Et eh ben dis donc. Maintenant, faut que je fasse lui. Il ressemble un peu à Kirby, hein, malheureusement, mais ça changera au prochain truc. Prenez pas peur, il va pas du tout rester comme ça. Fuyez, fuyez vraiment. Fuyez pendant qu'il est encore temps. On dirait juste un grand gribouillis. Fuyez, pauvre fou. Non, 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 me dis pas que c'est lui, me dis pas que ça. Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Attends, j'arrive. Il me dit, mais il ressemble pas, c'est lui. Non, me dis pas que ça. Ça, c'est Kirby, s'il te plaît. Tu peux pas me dire que attends, ça, j'arrive, c'est Kirby. J'arrive. Attends. J'avais perdu ta chaîne, elle est passée. Un narval croisé avec une pomme. Attends, Ghostfire Poe, j'arrive. Narval croisé avec une pomme. Ça, c'est pas du tout Kirby, hein, non, pas du tout. En fait, c'est une. Tu sais ce que c'est? C'est une glace qui est tombée par terre. Exactement, c'est une glace qui est tombée par terre. En fait, c'est une. Ah. C'est Kirby Corn. Non, je n'accepte pas. Par contre, ça, effectivement, ça pourrait devenir Kirby, donc il faut faire attention. Ah oui, ça peut grave devenir Kirby. Hein. Voilà, c'est pour ça, et déjà, ça. Au départ, j'avais commencé à le faire rose et je me suis dit, bah non, déjà. C'est un jeu que je connais. Bah bravo. Tu as gagné le blind test. Suffit de dire ça pour gagner. Voilà. Je connais. En tout cas, il est trop chou. Merci, c'est trop gentil. Attends, ça m'énerve de pas savoir ce que c'est comme jeu. Est-ce qu'il y a... Oh, Nintendogs ! Bien sûr ! C'est le thème du magasin dans Nintendogs. Bah, regarde, t'en penses quoi là des badges pour les beats? Dans l'idée, ça va être ça. Je rouvre parce que. Hop. Je remets l'onglet. Enfin, je rouvre l'onglet. Il y a pas grand chose, mais. Comme c'est tout petit, je vais pas trop rentrer dans les détails. Ça charge. Ça fait la pub? Non, parce que je suis abonné. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous êtes pour la pub. En tout cas, c'est mieux que mes dessins. Oh, bah, faut pratiquer. J'ai jamais joué à Nintendogs.
Bah, en fait, ça dépend. Enfin, tu vois, c'est un classique. Ça dépend des âges. Ça dépend aussi de, des consoles que t'avais. Tu vois, si t'avais des consoles, quoi. Moi, c'est pile dans ma génération quand c'est sorti. C'était pile le moment où, où c'était l'âge d'y jouer. Donc, j'avais l'âge d'y jouer. Attends, ça charge, Fab, parce que mon ordi il est en train de travailler beaucoup de choses en même temps. Pas de soucis. Mais t'es sérieux, allez, dessine une voiture. Tu veux que je dessine une petite voiture là, mais ça n'a rien à voir là-dessus. J'aime beaucoup Fab. T'aimes bien? J'adore. C'est gentil. C'est pas grand-chose, hein, mais. Non, mais j'aime bien. Et c'est cool que t'aies gardé les couleurs. Enfin, je trouve que les couleurs vont bien. Et j'aime beaucoup ce que t'as fait avec les couleurs des reflets du troisième. Enfin, du. Ah, c'est gentil. C'est très stylé. Je vais te faire une voiture juste par plaisir, ok? Je te dessine une voiture. Bon, je peux pas garder mes lunettes. Hop là. Alors. Donc là, on va tenter. Ouais, et du coup, Nintendo, si c'est pas sorti pile quand t'avais l'âge d'y jouer, je pense que c'est normal de pas y avoir juste pas un incontournable. Ah, je te dessine une voiture. Merde. Alors, ça peut être pour quel palier alors, du coup, les paliers en question, je les ai sur Twitch là, tout à l'heure. Enfin, je les avais sur Twitch tout à l'heure, je viens de les fermer. Je vais devoir y retourner. Alors attendez, j'y retourne. Hop là. Alors, moi je peux mettre en fait des badges pour les paliers. Quand tu donnes 1 bits, tu as le premier badge qui est ici là du coup. Quand tu donnes 100 bits, tu as celui-là. Quand tu donnes 1000 bits, tu as celui-là. Quand tu donnes 5000 bits, tu as celui-là. Après c'est 10 000, 25 000, 50 000. Et après c'est 75 000 pour le vert là. Voilà. Il y en a dit énormément de bien. Après, ça dépend, ouais. Enfin, si c'est pas indiscret, quel âge tu as? Parce que ça change tout. Vraiment. Des ronds avec des lampes, des ronds et des ronds. Merde. 16 ans. Ouais. C'est carrément pas. Ouais. C'est pas ton moment quoi. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, quand c'est sorti. Moi j'avais quel âge quand c'est sorti Nintendo Dogs T'avais 16 ans. Non, j'étais plus petite que ça. Enfin, plus petite. Alors, par. Ah oui. J'avais. Alors, déjà j'avais 12 ans. Ah ouais. Donc, quand j'avais 12 ans, et bah c'était. C'était il y a 15 ans à peu près. Ça fait mal, hein. Donc en fait, t'avais un an quand c'est sorti, s'il te plaît. C'est ça, hein. T'avais un an en 2005. Aïe. Donc c'est normal, c'est. Mais en vrai, si un jour. Enfin, je sais pas, si t'as une DS, si tu trouves le jeu d'occasion, sympa. Et je crois, sans me tromper, qu'il va sortir sur Switch. Il y a un espèce d'équivalent sur Twitch en ce moment qui est nul. Ah oui, oui, oui. Ah bah tu es 2005. Bah voilà, tu vois, le jeu il est sorti en avril 2005, donc il est né avec toi. L'équivalent sur Switch est archi nul, mais visiblement ils vont en sortir un vrai sur Switch. Un vrai Nintendogs? Ouais. Ah c'est cool. D'ailleurs quand j'ai acheté ma DS d'occasion, tu sais j'ai reçu des jeux alors que je m'y attendais pas. Ouais, ouais. Avec. Et bah il y avait Nintendogs plus 4 avec. Ah trop bien. Ouais. Bon bref, tout ça pour dire, si un jour t'as l'occasion d'avoir d'occasion, nous reconnaître, pourquoi pas. Bah ouais. Une pensée pour les chiens qui attendent depuis 13 ans. Oui. Ah oui. Oui. Ben, faudrait que je rouvre le mien. À l'occasion, pour voir. Je sais quoi acheter quand il sortira. Bah franchement, ouais. Alors, il dit Ryan,
Moi, dans, en 2005, j'avais moins 4. Ah yes. En tout cas, ça a fait plaisir de voir qu'on est pas si vieux que ça. Ouais. On a un peu le Tamagotchi. Oui. Tu sais, j'ai une confession à faire, mais il y a un Tamagotchi qui est... le dernier Tamagotchi qui est sorti. Déjà, il est trop beau. Mais il coûte méga cher, en fait. Et je meurs d'envie de l'avoir. Et je sais très bien comment ça se passe. Il est en couleur ? J'en avais un. Mais ouais, te rappelles... les œufs, ils sont trop beaux. Ah ouais, ah oui, parce que moi, tu te rappelles, on en avait acheté, nous, à une... Toi aussi, t'en avais racheté un, non ? Alors, j'en ai pas racheté un, j'avais récup tous ceux que j'avais chez mes parents. D'accord. Parce que j'en avais vraiment beaucoup. Je les ai tous quelque part, je sais pas où. Enfin, j'en avais vraiment beaucoup. Ouais. Genre, je crois que j'en avais genre 5, tu vois. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une génération qui sortait, je la voulais. Je la veux. Mais du coup, là, le dernier qui est sorti, il est trop beau, mais il coûte trop cher. Mais j'ai trop envie de l'avoir. Mais il coûte vraiment cher. Je sais pas s'il coûte pas au moins 70 balles, voire 100. Mais à l'époque, quand on était gosse, les Tamagotchi, ça coûtait 25 euros, quoi. Mmh. C'était déjà vraiment cher, hein. Ouais. Ryan, ouais, non, c'est une blague nulle. Vraiment une blague nulle. Un petit peu. Bouf. Non, ah si, ça va. Si, si, elle était pas mal. Je vous dis juste. Les gens, ils ont une déesse. Moi, j'ai un dieu. Il dit. Ryan. Ah, bon, ça va. Ça va, ça va. En vrai, ça va. Ah, ça va. C'est pas si pire. Non, non, non. C'est tous les reindeer d'Inori Coconut. Effectivement, c'est toléré, c'est tolérable. Alors, est-ce que je vais réussir? Oh, c'est pas mal. Je viens de me rappeler les jeux dans les tamas. Ah ouais. Mais là... La chasse d'eau, c'était un truc de fou comme jeu. Et non, mais il y avait des mini-jeux. Mais je sais, j'y ai joué, j'y ai joué. C'est trop bien. Je faisais de l'humour. Oui, non, je sais. Et tu sais ce qu'on dit sur quand on est obligé de préciser qu'on faisait de l'humour, Fabien, tu le sais? Non, on dit quoi? Bah, ça veut dire que c'est nul, Fabien. Ah bon? Non. Par contre, on pouvait aussi aller dans le village des Tamagotchi qui était en ligne. Tu mettais un code et tu pouvais l'emmener en ligne dans le village des Tamagotchi. Non, mais alors, non, moi j'avais pas ça. J'avais pas ça du tout. C'était fou. Moi j'avais la première version de Tamagotchi. Ah, la toute première? Ouais. J'avais que 3 jeux dessus. En noir et blanc, tout ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'était très bien. Moi, je trouve que quand même, Tamagotchi, c'était une bonne invention. Et en plus, mine de rien, c'est sympa pour responsabiliser les enfants. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais. Parce que, tu sais, tous ces gamins qui veulent un hamster, un je sais pas quoi, qui s'en occupent jamais. Et oui, maman, je vais nettoyer sa caisse. Bah là, juste, tu te dis, vas-y, tu gardes ton Tamagotchi en vie pendant un an et après, t'as le droit d'avoir un hamster. C'est trop dur, en vrai. Non. Bah ouais. Ce que je peux te dire, moi, mon lapin, c'est plus facile de m'en occuper que mon Tamagotchi, en vrai. Bah oui. Mais du coup, au moins... Oui, mais t'es adulte. Et tu as le sens des responsabilités, tu vois. Ouais. Tu sais que, bah... En plus, déjà, il y a que toi pour nettoyer la litière de ton lapin. Il y a que toi pour lui donner à manger. Quand t'es gamin, qu'il y a tes parents et tout, tu dis, c'est bon. Et voilà. Ouais. Et Toki qui dit, et les faire se lever à 2h du mat pour le nourrir. C'est Tamagotchi qui t'ont donné envie d'être prof. Ouais. Non. Il y a Ryan qui dit qu'il jouait aux cartes Pokémon. Oh, t'as quel âge, Ryan? Rappelle-moi. Mais c'est toujours Pokémon, c'est depuis qu'on est gosses, ouais. Nous, jusqu'à encore maintenant, les gosses de 5-6 ans, voire plus petits, ils ont des cartes Pokémon. C'est vrai. Moi, j'en ai vu. Et à l'école, c'est interdit, les cartes Pokémon, dans mon école. Et j'en vois du trafic, hein. J'en ai vu à la sortie de l'école, là. Ils ont même pas le droit de les avoir dans les cartables normalement. À la sortie de l'école, je vois du trafic. Du coup, tu fais comment? Je dis rien parce que je dis rien moi. Vraiment, j'ai pas envie. De toute façon, déjà ils sont sortis de l'école, c'est plus ma responsabilité.
elles sont confisquées si je les vois en classe, mais je vois très bien le trafic à la sortie. J'ai juste pas envie qu'il y ait des petits qui se fassent racketter leur carte Pokémon, quoi. Bah 12. Ouais, bah c'est ça. De nous jusqu'à 6 ans. Enfin, de 6 ans jusqu'à nous, ça joue encore au Pokémon. Ça, c'est fou. Trop mignon. Bah oui. Du trafic en primaire. Bah oui. C'est... Ouais. Mais nous, à notre époque, c'était pas du tout. Les maîtres et maîtresses, ils se rendaient pas compte de ce que c'était les Pokémon à notre époque. Ouais. Non, c'est vrai. Ils comprenaient pas. Ils avaient pas les refs. Alors toi, t'as la ref, du coup, maintenant. Bah oui. Moi, tu parles, tu vois la tête de mes élèves quand je leur dis que je connais les Pokémon et quand je connais mieux que les noms des Pokémon de la première génération et de la deuxième. Parce que c'était nouveau pour nous, hein, et pour tout le monde. Bah oui. Mais bon, après, moi, il y a des trucs que, tu vois, là, en ce moment, il y a genre les Bakugan, des trucs comme ça. Ah ouais ? Je connais pas, ça. Ah, oula, oula. Oula, oula. Oula. Oulah. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Les Bakugan. Les Bakugan. Hop. Dupliquer. Ensuite, on va retourner comme ça. Et mettre ici son petit pied. Okay. Alors, ouais, c'est trop récent pour vous. Et toi, du coup, Nori Coconut, tu sais ce que c'est? Attends, mais je vais chercher parce que j'ai un élève, genre, il jurait que par ça. Il me dit, oh, Bakugan. Il avait, je te vois là. Déjà, j'ai écrit Bukagan, donc. Aïe. Alors, c'est bon, j'inverse beaucoup les lettres. Ouais, au lieu d'écrire Indochine, j'écris Indochien tout le temps, constamment. On était pas loin là, d'une bêtise. Ouais. Alors, les Bakugan, je regarde. À deux doigts du ban, ouais. Ouais. C'est quoi? Des espèces de petits monstres, c'est ça? Je regarde. C'est des trucs à collectionner, mais sauf que tu vois ce que t'achètes, en fait, à chaque fois. Ok. Ok, c'est stylé, en vrai. Ah, mais il y a un jeu Bakugan sur Switch. Par contre, mes élèves, par exemple, ils jouent au Pokémon sur Switch, ils jouent à Mario, enfin, c'est ouf. Et souvent, c'est des enfants qui ont des parents qui jouent à ça aussi, des parents qui sont à peine plus vieux que nous, en fait. Ah oui. Alors. C'est bien, par contre, la Switch, en fait, elle a comme la Wii à l'époque, je trouve qu'elle a fédéré les familles. Ouais. Et puis vraiment, ouais, toutes les générations. Et les toupies Beyblade, ah ouais. Ah, moi j'avais des toupies Beyblade téléguidées, les gars. Oh là, attends. Ouais, t'avais quoi? J'avais des toupies Beyblade téléguidées, moi, les gars. Oh là, du tout. Je pouvais les contrôler. Il y a Mouad, Ryan du coup, qui dit, il y a Bakugan et Byakugan. Ouh là là. Boruto. Attends, quoi? C'est Naruto. C'est quoi, attends, mais c'est dans Naruto. Le Byakugan est le dojutsu héréditaire des clans. Oh là là, mais ça n'a rien à voir du coup. Je vois que c'est dans les yeux. Bon, écoute, je m'y connais pas, si je veux pas passer pour. Beyblade, j'avais pas trop, j'avais quoi moi? Ouais, moi c'était vraiment Pokémon, Tamagotchi, les Pog, les billes. Ah ouais, moi pareil. Les Pog, j'en avais aussi. Des billes, j'en avais aussi. Mais j'ai jamais osé en fait jouer. Y jouer vraiment. Tu vois, je les collectionnais. Non, mais ouais, voilà. Et même, même aux cartes Pokémon. Des batailles, en fait, personne y jouait vraiment. Ah, j'ai l'impression. Bah alors. Non. Moi, tu sais, la première fois que j'ai joué vraiment avec mes cartes Pokémon, que j'ai vraiment joué avec mes cartes Pokémon, c'est avec Valentin et Alexandre Mine où on se faisait des vrais tournois. Tu vois. Ouais, et vous les perdiez, c'est pas vraiment juste, Ah non, par contre, en fait, parce que les enfants, quand ils jouent aux cartes Pokémon et qu'ils perdent leurs cartes, c'est parce que en gros, genre, ils posent leurs cartes et c'est genre celui qui a le plus de PV qui gagne, quoi. D'accord. Et hop, ils gagnent la carte de l'autre. C'est horrible. Bah ouais, je trouvais ce jeu horrible. Non, alors que Pokémon, c'est un jeu de plateau, t'as ton deck, tu perds pas tes cartes du tout. Ah ouais? Ah non. Pokémon, c'est un jeu de plateau, enfin,
T'as jamais... Oh là là, ça faut que je stream. T'as jamais vu le jeu Pokémon, l'application? Enfin, il y a un jeu Pokémon comme le jeu de cartes, mais sur mobile ou sur tablette, en fait. Ah non, vraiment pas, ouais. Non, non, sur ordi, je crois. Et en fait, là, c'est le vrai jeu Pokémon. C'est le vrai jeu de cartes Pokémon. D'accord. Non. C'est vraiment... Et tu ne perds jamais tes cartes. Ah bah c'est cool, ça. Les enfants qui jouent comme ça... C'est les bébés. Des bébés. Oui, c'est juste... Mais oui, non, mais attendez, ça, faut absolument que je stream. Demain après-midi, je full stream ça. Oh, j'adorais jouer, c'était trop bien. Obligé, demain après-midi, je stream ça. En plus, en fait, ce qui est trop bien, c'est que moi, ouvrir des boosters Pokémon, ça me fait retomber... Enfin, j'adore cette sensation d'ouvrir des boosters Pokémon. Et en fait, quand tu gagnes des points, des tournois, enfin des combats dans ce jeu, tu peux ouvrir, acheter avec des points et ouvrir des boosters Pokémon. Oh, mais alors ça... Moi, tu me donnes juste une application qui te file des boosters Pokémon genre virtuel comme ça pour voir, ça me rend folle. Hein. Je passe mes journées à ouvrir des boosters Pokémon. Hein. Je rigole même pas. Ah bah non, mais ça, je te crois. Hein. J'aimais tellement ça. Demain matin, tu travailles? Oui, demain matin, je travaille. Demain matin, j'ai des grandes sections. Je travaille 3 mercredis sur 4. Donc, semaine dernière, pas travaillé. Cette semaine, je travaille. Et les 2 semaines qui arrivent après. Mais bon, ça va être tranquille. On va faire de l'art visuel. Ça va être sympa. Alors. On va mettre une division. Ça me fait chier de travailler le mercredi matin parce que... D'habitude, je travaille le mercredi matin, mais genre, je travaille à la maison, quoi. Ouais. Donc, je prépare ma classe, tout ça. Si j'ai envie, je stream ma préparation de classe. Enfin, c'est tout bénef pour moi, quoi. Ouais, après, moi, je bosse tout le temps, le mercredi matin. Bah oui. Oui, mais ben, du coup, moi aussi, mais du coup, le mercredi, enfin, je bosse à la maison, quoi. Enfin, jusque-là. Je bossais à la maison, c'était... Mais maintenant, je... de l'art visuel, oui, c'est de... Tu sais, c'est genre de la peinture, quoi, de l'art, tout ça. Le truc, là, moi, j'ai cette semaine, c'est... Ouais. C'est jeudi matin, du coup, il y a un client qui vient toute la matinée. Jeudi après-midi, on va faire un barbecue pour à rester avec tout le monde. Voilà, donc enfin, le barbecue est prévu. C'est vrai. Et ouais. Mais attends, mais c'est pas genre il pleut cette semaine? Ouais, il paraît qu'il pleut jeudi en plus. Bah ouais, cette semaine. Toujours bien nos jours. Hein. Oui. Mais tant pis, hein, c'est pas grave. et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je me suis perdu. Bah, tu disais qu'il y avait le barbecue. Oui, et le lendemain, du coup, il y a tournage aussi, toute la matinée. Tournage? Ouais, j'ai un tournage. Mais pour ton boulot. Oui, pour le boulot, ouais. Ok. Tu vas bien être une star de cinéma. Non. Pas du tout. La meuf qui fait croire n'importe quoi. Non, je suis technicien, on va dire, sur ce coup-là. Alors. Je vais faire son petit reflet là, comme ça. Je suis pas du tout inspiré, hein. Vraiment. Je suis désolé pour vous qui regardez ça. C'est triste à voir. Hein.
En vrai, c'est dur de rester sur un truc quand ça nous inspire pas. Je trouve ça vraiment dur, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bah, c'est mon cas là actuellement. Ouais, ça m'est déjà arrivé quand on était en live de faire un truc et genre zéro satisfaction à la fin. C'est terrible. Hein. Mais oui, j'avais l'impression que pendant 2 heures, j'avais rien fait d'intéressant. C'était affreux. Ouais, je me rappelle de ce live, tu m'en avais parlé. Par contre, j'ai repris ce dessin, j'ai revu ce dessin plus tard et maintenant je l'aime bien. C'est bizarre. Ouais, bah après, je sais pas si je vais les aimer, hein, ceux-là. Bah, en même temps, c'est des petits icônes, donc je pense que ça devrait mais aller. Mais après, alors attends, je vais revenir voir, mais par contre, moi ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était super chouette. Il y a Tanguy qui demande où tu tournes demain, est-ce que c'est à Cannes ou à la Tour Eiffel? Non, c'est à Los Angeles. Alors, hop. Non, je tourne chez un client, ouais. Fais voir. Hop. Maintenant, c'est le moment où on lui rajoute une petite corde. Une petite corde. T'as vu un petit peu alors du coup? Ah, attends, c'est en train de s'ouvrir. Ah oui. Alors, la petite corne, elle va commencer par être grise. Et bah, franchement, moi je trouve ça très stylé. Ouais, bon, après, c'est pas très, très original, mais bon. Bah, écoute. Moi, je trouve que ça apporte un petit plus parce que de toute façon, il n'y a pas de badge au départ. Enfin, tu vois, il y a genre un badge avec une étoile. Ouais. Ah non, ça, c'est les trucs de c'est pour les bits. Oui, ouais. C'est pour les bits. Donc, il y a déjà des trucs. Bah, y a pas de. Oui, mais il y a. C'est quoi? Attends, je remonte. C'est des triangles. Des triangles avec des chiffres. Ouais. Oui, oui. Ah, ils ont des couleurs, les triangles, c'est ça? Ouais. Non, c'est des formes aussi qui évoluent. Hein. Il y a une étoile à un moment. Et tout. J'aime pas les titanobos de Ark. Quoi? Ouh là là. C'est des bêtes dans Ark. Ark, c'est un jeu de survie avec des dinosaures, non? D'accord, les titanobos. Ah, les titanobos! Titanobos, c'est un vrai. C'est le serpent géant, c'est le serpent le plus grand de l'histoire. D'accord. Qui n'existe plus. Depuis bien longtemps. J'avais regardé. Oh là là. J'avais regardé un documentaire l'année dernière en CE1 vers la fin de l'année. Mmh. J'avais regardé avec mes élèves un documentaire sur les plus grands animaux préhistoriques. C'était tellement intéressant. Et le titanoboa, il avait une force monstrueuse. Genre, il y avait un baril ou je sais plus trop quoi. Un baril genre, en serrant un truc. Hein? Un baril? Non, parce que. Il n'y avait pas de baril à l'époque. Non, mais c'était un test en gros. Ah. En gros, il testait la force qu'aurait pu avoir. D'accord. Enfin, taper le titanoboa avec des machines et des trucs, ils testaient ça. D'accord. Il y avait genre un baril ou un gros tonneau, je sais plus ce que c'était exactement, et genre le machin il pétait en 2-2. Ça avait plus de force que. Je sais plus, c'était vraiment très cool. Alors, sauf en Australie. De quoi? Sauf en Australie. Et l'année dernière, c'est un. Oui, bah oui. Oh. Je peux dire cette année en grande section. C'est mignon. Alors. Une petite corne. Alors la corne, je vais faire un truc rapide avant. Elle aura à peu près cette forme là. Voilà. Donc maintenant. Les serpents existent plus sauf en Australie, vu que tout ce qu'il y a de pire se regroupe là-bas, c'est clair. Mes parents, ils voudraient partir en Australie quand ils seront à la retraite, pour pendant genre 2 mois, ouais. Pour voyager quoi. C'est trop cool. Et ouais, et du coup je vais avoir peur pour leur vie pendant un bon moment. Bon, j'explique ma blague, égale, elle était nulle, mais non! C'est moi qui suis pas assez cultivée. T'es pas assez culturée. Pas assez culturé. À part pour le quiz de Fabien. C'est vrai.
Ah bah là on dirait caca mon truc, ça va pas du tout. On est d'accord que du coup le badge 1 bit, il est compris, on l'a entre le entre quand on donne 1 bit et 99 bits, c'est ça? Et moi, puis après oui. Le 100 bits, tu l'as entre 100 et 999. Oui, oui c'est ce que je okay. pense. Oh non, je me suis trompé. Faut pas faire ça. Hop. Agrandir cette corne. Je dois y aller. Mais bah, pourquoi tu es bloqué en majuscule, Mouad? Il crie beaucoup. Tu parles très fort. Pas de soucis. D'accord, tu les débloques et tu choisis lequel tu mets. Ok. Ah, d'accord. Ah, c'est stylé. Mais tu les débloques genre à 100, tu débloques le deuxième. Ouais, je suppose. Qu'est-ce qu'il a fait, Thor? Je sais pas, j'ai entendu Jazz dire Thor. Tu as tort, Thor. Éventuellement, je peux lui rajouter petite étoile. N'empêche, est-ce que Camille, toi, tu savais d'où venaient tous les emojis de Twitch? C'est les personnes en photo là, qui sont bizarres des fois. Il me semble que je suis tombée dessus un jour, mais je sais plus. Tu sais? Ouais, je sais. Ah mais bah, du coup, selon toi, c'est quoi? C'est pas des créateurs de Twitch? Si, c'est ça. C'est des gens qui faisaient partie du développement en amont. Okay. Bah voilà. Point. Fin de l'anecdote. bien joué. Merci. Oh, c'est mignon comme ça. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là! J'aime bien! T'aimes bien ce que t'as on fait? On dirait que je rate, tu sais! Oh là oh là! Mais j'aime bien! J'aime trop. Putain. Oh, j'aime trop ce que je fais, putain! Oh là là, mais c'est super! Oh, c'est trop bien! Putain. Oh là là! J'aime bien faire ça! Bonsoir, Koharu Kawaii! Bienvenue! J'ai fait de la merde! Hop là! T'annonce la couleur quand quelqu'un arrive sur ton chat, quoi. De quoi? Bienvenue, j'ai fait de la merde. Ah oh bah, d'accord. Ouais. En fait, j'ai fait... En lisant, j'ai fait de la merde. Hop là. Alors, est-ce qu'éventuellement, je peux me mettre un petit axe de symétrie? Oui, tu peux. Voilà. Non, mais oui. Je te remercie parce que... J'étais pas sûre d'avoir le droit. Si, tu peux, je t'assure que t'as le droit. Possible. Je t'autorise. Ouais, c'est gentil, merci en tout cas. Je t'autorise. Bon, allez, on va faire les plans de travail.
pour exporter tout ça. Alors ça ne va pas. Et du coup, je vais y aller moi. Et bah à bientôt, Nori Coconut, merci. Oh, merci pour le follow. Kaoru Kawaii. Merci infiniment. Ce soir, on va se faire du pic au parc là, une fois qu'on a fini ces petits dessins. Moi honnêtement là, je vais m'arrêter à 20h la cam, hein, je pense. Oh bah moi aussi hein, moi aussi. Je pense qu'il va falloir que je fasse une petite sieste. Ah ouais. Bon, je vais manger un peu. J'ai un peu fatigué, mais je reviens à 21h. Oui bah oui. Je vais peut-être me caler dans le lit tranquille et puis somnoler gentiment. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de pompe. C'est l'effet et Nintendo. Bah, Oui. Et puis mine de rien, c'est fatigant de dessiner. Ouais, et puis de se forcer à avoir de l'inspiration, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Surtout quand t'as passé la journée à l'utiliser pour en bah, avoir. Ah oui. Là, ça a été compliqué. Je comprends. Alors. Bon, c'est juste 10 minutes et puis. Non. si, donc, bien sûr. Je sais plus comment on fait pour créer un plan de travail directement à partir de la forme. Attends, est-ce que c'est que ça fonctionne que par raccourci? Alors, je trouve que Illustrator c'est vraiment difficile à prendre en main. Illustrator, créer un plan de travail à partir de la forme. N'est pas mal. Ah, les principes de base. Pourquoi c'est pas la même couleur? Non, moi j'ai juste le raccourci. Donnez-moi le raccourci, s'il vous plaît. Alors, les plans de travail. Bonjour, je suis formateur illustrateur et je vais vous montrer comment on fait le plan de travail. Oui, j'ai compris ça. Voilà. Ouais. Ah. C'est un peu chiant. Non mais je pense que c'est ça, c'est CTRL O. Non, c'était pas ça. C'est pas du tout ça. Pas mal ça. Majuscule O, pardon. Pas ça non plus. Ah si, ça marchait. Yes. Ça marche comme ça. C'est alors. Parfait. Comment j'avais rajouté une bouche et un nez. Enfin, j'aurais dû le faire dans l'ordre parce que là du coup il faut que j'y redonne. Le 2 il est là. Le 2 on va le supprimer. Voilà. Le 3 c'est lui, donc c'est le 2 celui-là. Le 3 c'est bon. Le 4, 5, le 5. Ça c'est le, on va dire, c'est le 10, juste pour le classer correctement. Voilà. Est-ce qu'il va venir à la fin? Voilà. On va juste le classer dans le bon ordre. Celui-là il va là. Celui-là il va là. Voilà. Et maintenant on va les renommer. Donc ça c'est quand t'as un bit. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi tu rigoles? Tu me fais rire. Hop. Ensuite. Et on va le faire. Ah bah merde. Pourquoi cet échec? Ah oui. Hola chevalier, que faites-vous dans le château? Oui, c'est vrai ça. Bah alors, que faites-vous dans le château? Mais oui, c'est vrai, que faites-vous dans le château? Ah, ça ne va pas cette bouche. Ah, ça ne va pas du tout. Ah, comme ça. Hein. Non, c'est moche. Juste comme ça. Non, parce que j'ai envie qu'il sourie. Ok. Euh...
Ça, c'est donc la musique de Yarnyoshi. Ah non, Beware Forest Mushroom. Super Mario RPG. D'accord. Il y a une petite pète là. Comme des... C'est pas mal. Et là, ah, j'avais mis des petits bras après. C'est ce qu'on dit, hein. Ouais. Pas de bras, pas de chocolat. Non. Eh oui. Oh, c'est trop mignon, merci. Papa, 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 papa. Ah, ça c'est Animal Crossing et ça fait plaisir. Papa, 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 papa. Et on va le faire au même niveau que les pieds. On va rajouter la symétrie. Ta ta la ta 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 ta. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui. Bon, ça ira très bien ça pour les bras. Et du coup, la couleur. Papa. 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 Tac. Référence. Là. Bon, bah voilà. Ah. Hop. On a fait les. Je veux ce badge. Eh ben écoute, celui-là il est loin. Hein. Parce que. T'en penses quoi de mes badges là, Cam? Ah oui, attends, faut que je regarde tes badges. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, vas-y, laisse comme ça, j'ai pas fini encore. Et ben moi, je les trouve très très beaux. Ah, attends, t'as enlevé, t'avais mis de la couleur. Oh bah. Dans les reflets, t'avais mis couleur arc-en-ciel. Quoi? Non. Putain, j'étais persuadée que dans les. Pas dans les reflets, mais sur les. Sur les côtés. Putain. Les arêtes, t'avais mis des couleurs multicolores. Ah ouais? Ah non, non, non. Putain, j'ai rêvé. Bon, écoute, j'ai rêvé. Mais du coup, ok. T'as trouvé que c'était une bonne idée? Peut-être. Bah, j'aimais bien. Mais putain, je suis persuadée d'avoir vu ça. Mais en tout cas, je trouve ça très très beau. C'est gentil. Merci beaucoup. En y réfléchissant, peut-être qu'avec l'arc-en-ciel, ça aurait fait trop. Ouais, mais je là, crois. C'est je moi, je j'aime beaucoup. C'est gentil. Je tente un truc. Non, ouais, non, c'est lâche. On va arrêter. On va arrêter là. Non, j'ai tenté un truc rapide. Un truc furtif, ce qui valait pas la peine. Ah oui, d'accord. Non, je viens de voir ce que. Non, c'est voilà. Très bien comme t'as fait. Voilà. C'est très très bien. Hop là. Tac. Et si on se met loin, parce que ça va être. Cette taille. Petit, ouais. Ça donne quoi? Bon, ça va. J'attends de voir. Ah oui, ça va être très bien. Ouais. Franchement, moi j'aime beaucoup. Écoute, c'est simple, mais c'est super. Vraiment. C'est des cristaux qu'on peut récupérer sur la planète, des planètes qu'on peut aller visiter avec notre vaisseau. Ah bah oui, bien voilà. Sûr. Il faut le lore maintenant. Je crée le lore petit à petit. Ouais. Non, mais franchement, pour quelqu'un qui n'était pas inspiré, tu t'en es vraiment bien sorti. Hein. Ouais. Après, j'ai fait. C'était en pilote automatique un peu quand même. Je sais. Je me suis rendu compte que t'étais épuisé. Mais c'est arrivé, mais d'un seul coup en fait. Je sais pas, ça m'est tombé mais dessus. Oui. Mais triste. Oui, c'est bizarre. Genre vraiment comme ça. Quoi. T'as tenu jusqu'au bout. Et rien que pour ça. Ouais. Félicitations. Merci, c'est gentil. Hop là. On va appeler ça. Tac. Ensuite. Est-ce que je laisse juste... Alors attends, ça... Ok. Voilà, je les exporte. Oui, transparent s'il vous plaît. Monsieur. Voilà. Alors c'est là, et là que tout va se jouer. Voilà, j'ai mes bits c'est qui sont arrivés. C'est ça que je tiens à terminer. On va essayer de les mettre du coup. Alors, est-ce modifier. Que j'ai une palette arc-en-ciel un peu? Ouais. Comment il fait là?
Non, plutôt comme ça en fait. Comment faire? Bon bah, voilà, je les ajouterai dès que... Faut que je les fasse, d'ailleurs. Faut que je les ajoute. Bah oui. Je vais repasser sur Photoshop vite fait en attendant, mais on reste là-dessus, vous voyez que ça, c'est très bien. Je vais regarder ceux de Fabien. Oui, va vite voir avant qu'ils partent. Voilà, ils sont tout simples, hein. Je suis pas fan. Coucou Kevin, ça fait plaisir que tu passes. Mais t'es pas fan parce que tu te sentais pas inspiré, c'est pour ça. Mais en vrai, moi je les trouve vraiment très bien. Ça c'est les badges quand tu donnes des beats. Du coup, 1 beat, 100 beats et ainsi de suite. Voilà. Ouais, c'est ça mes badges, ouais. Ils sont stylés. Ils sont pas très... Ouais, mais après c'est pas la folie de ouf non plus, hein. Jamais satisfait. Bah là, ouais, mais là, oui, je peux pas. Non, mais je comprends. En fait, je m'attendais à un truc un peu plus de ouf. Et toi, t'as fait des petits reflets arc-en-ciel, tu vois. Moi, je suis même pas rentré dans les détails là, des détails là, tu vois. Là, j'ai fait évoluer. Ça compte, c'est un arc-en-ciel. Oh putain, regarde. Mais Kevin, il a dit un truc excellent. Et je viens de voir ce qu'il a dit, ouais, Kevin. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, du coup c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et en vrai, garde ça pour. C'est un pack. Ah, mais non, mais tu peux faire pour les badges abonnés, Fab, que Kevin il a dit. Oui, c'est vrai, mais en fait, pour les badges abonnés, faut que je réfléchisse à autre chose. Mais ouais, là, oui, mais... là, c'est plus une sorte de. Ça correspond un peu à la monnaie que vous avez donnée. Et donc, du coup, c'est un peu du minerai, tu vois, on pourrait dire que c'est du minerai dans le lore, et effectivement. Le coût du vaisseau qui est de plus en plus gros, ça sera plus intéressant. C'est clair, c'est une très bonne idée. Alors pourquoi on t'entend en direct du Stade de France? Ah bon? Comment ça? On m'entend en direct du Stade de France, attends. Tu m'en... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, tu sais, comme je... Attendez, depuis le début, vous m'entendez comme ça? Va? Attendez, je vais m'écouter, okay, juste. Allô? Non, ça va? Non, je sais pas, écoute, j'ai écouté vite fait, j'ai l'impression que je t'entends bien. Ouais, donc du coup, ouais, pourquoi tu fais pas genre ton emote qui construit une fusée petit à petit? Ouais, franchement, ça c'est une bonne idée. Ouais. Mais après, c'est tout petit, hein, emote, hein, donc je sais pas si on verra tous les détails. Non, mais en vrai, à exploiter. Ouais, ouais, grave. Bien sûr, c'est on verra pas tous les détails, mais je trouve que c'est à exploiter, effectivement. 3, 4, 5, 6, effectivement. 7, 8, 9. Il y a un écho. Coucou, et tu t'es en... Ah ouais, je suis en direct du Stade de France. Comment ça va, la Nisco? Écoute, t'arrives au moment où ça va bientôt être fini, mais en vrai, je vais finir mes badges avant de partir, je crois. Ouping, j'ai débranché mon téléphone. C'est bizarre, du coup, apparemment, on m'entend en écho. Bah écoute, c'est bien curieux. Et là on m'entend en écho. Si je coupe là par exemple, Camille, on l'entend plus là. Là on m'entend en écho toujours. Là je viens de remettre Camille du coup. Mais la Nisco, ça va et toi? On revient à 21h, mais je finis mes badges de toute façon. Il va falloir que je règle ça. On revient à 21h et on va jouer à Pico Park et il y aura toute la team. Et ça va être super bien. Mais d'ailleurs il faut que je l'achète Pico Park, il serait peut-être temps. Tu l'as toujours pas acheté? Ouais, bah après ça va, il s'installe super vite. Oui, voilà. C'est pour ça que je me prends pas la tête. Même Camille. Mais que sur ton stream, c'est bizarre quoi. Ah bon? Oula, va falloir. Ok, va falloir que je regarde le replay. C'est bizarre parce que moi, sur le retour, je l'ai pas. En tout cas, moi je t'entends correctement. Ouais. Mais attends. C'est étrange cette histoire. Il y a il y a peut-être un son parasite. Je vais t'écouter. Merci beaucoup, du coup. Alors, est-ce que je suis en direct du Stade de France, Camille? Alors, j'entends... Attends, je coupe. J'entends comme un... Mais très léger, moi. J'entends pas, je dirais pas que t'es au Stade de France, tu vois.
Sympa les pizzas en money, putain. Il y en a un qui dit pancake, un autre qui dit pizza. C'est gentil, mais c'était censé être une étoile sur une pièce. Tu vois Camille, tout ce que j'étais sûr. Oh non. Va falloir en fait que je juste que le problème c'est que le orange sur le jaune ça fait tout de suite pizza, c'est sûr. C'était oui, ouais. J'en étais sûr. Mais du coup, c'est pas grave, au pire c'est une pizza. Non non, c'est pas des pizzas, c'est une pièce avec une étoile dessus, avec des petits yeux. Mais il va falloir que je change un peu. Ah oui, c'est une étoile effectivement. Ouais. Ouais, voilà, faut zoomer un petit peu, c'est compliqué à voir. Mais oui, y en a un autre qui a dit que c'était un pancake. Pourquoi pas, on n'est plus à ce stade-là. Mais j'aime bien l'idée du pancake. Ouais, l'idée du pancake, c'est pas mal. On peut s'échanger des pancakes. Oula. Pour le lore. Merci, wow. Pour ton raid de 9 personnes. Trop stylé. Bienvenue. Merci beaucoup. Attends, je vais peut-être relancer, voilà. Hop. Merci énormément. C'est vraiment adorable. Et... Salut. Hello Blitz. Salut, il n'y a plus de piles. Salut Blix. Salut Anonyme Minecraft. Salut Calgo. Calgio. Merci. Alors, salut The Dark Shine. Bienvenue. Je suis en train de faire mes badges. Merci pour le follow Blix. Ah bah, vous m'avez fait planter. Ouah, tout le monde follow d'un seul coup. Vous m'avez fait planter ma cam. C'est bon. Merci Calgio pour le follow. je suis avec Fabien 3D, n'hésitez pas à aller le voir. Oh. Vous m'avez fait planter ma cam, hein. J'annonce. Ouais. C'est merveilleux. Voilà. On est, on est en train de faire... Ah oui, d'accord, moi c'est de... Les last followers qui s'affichent par-dessus ton affiche, en fait. Moi, je... Effectivement, ouais. Ça plante un peu. Merci, Anonymocraft. Eh ben, dis donc. Cassé. Vous avez tout cassé, là, c'est fou. Oui. Moi, ça va. Moi, ça va, c'est pas cassé. Donc, comme je disais, pendant que ça plantait, allez voir Fabien Topadé qui est avec moi. On dirait du cristal sur arc. Oui, tout à fait. C'est du cristal. Je suis en train. Ouais, mais c'est effectivement ces animations. Il faudra que je réduise leur taille. On peut faire ça immédiatement. Déjà, peut-être. Je suis sur ma plateforme habituelle. Voilà, je suis en train de faire mes petits badges d'abo. Voilà. J'ai pas fini encore. Il va falloir que je me fasse un droplet parce que franchement, il faut que je les adapte tous comme ça. Pff, ça va être long. Bienvenue à vous, Lucas. Ça fait très bien. C'est trop stylé le badge là. Merci. Je vais les mettre sur mon Twitch et après je les mettrai sur mon Etsy. Ah, bah voilà. Ah, non, c'est bon. Hop. Voilà, et à 21h. Très gentil, Bixi Animo. À 21h avec Fabien et avec d'autres. On va se voir à Pico Park. Oui. J'espère pouvoir mettre en place mes badges avant ça. Moi aussi, pareil. J'aimerais bien. Voilà. Je suis en train de faire des petits réglages là. Oui, c'est inspiré un petit peu. C'est entre Kirby et Narval. Ça c'est mes badges pour ceux qui posent des beats. Donc toi tu vas avoir du coup ce badge là toi. C'était au-delà des 100 bits toi. Ça c'est 1 bit, ça c'est 100 bits. Ça c'est 1000 bits, ça c'est 5000 je crois. 10 000, 25 je crois. Enfin ouais, ça montre comme ça. 50, 75. Et pour finir, on va lui faire un petit halo. De quelle couleur on va faire les petits halos? Moi j'aime bien bleu. Et ça. Narvi ou Kirbal. C'est quand les badges de quoi qui vont être ajoutés? C'est quoi le c'est quand? C'est bleu. Ouais, c'est pas mal. Ah, peut-être en mode un peu arc-en-ciel.
Ça va pour tes badges de bis. Ah, c'est gentil. Je vais tenter juste le truc comme ça. Merde, je puisse savoir tout. Non, la gourde. Hop là. C'est quand oui, quand pour les badges. Bah du coup, normalement, bah déjà tu dois avoir accès à ceux de base de la chaîne. Mais du coup, là, je vais les ajouter. Allô. Non, allô, pas au téléphone. Merci pour les 20 bits, Kevin. Merci infiniment. Mais là, normalement, ouais, tu vas avoir accès directement. Parce que là, t'es déjà éligible à ces bits. Dans tous les cas, les vagues pas. Hop, là. Je les sauvegarde, attendez. Hop là. Et vous venez d'où? Tu faisais quoi, Blix? Comme tu streamais quoi avant de tirer de là? C'est vrai, ça. Comment tu es tombé sur Camille? Est-ce que toi aussi tu streamais du dessin et du coup t'es allé voir qui est-ce qui streamait du dessin? De Lui Design. Qu'est-ce que c'est de Lui Design? C'est du dessin d'utilisateur. Pour les sites, pour n'importe quelle. Enfin, pour n'importe quelle plateforme, tu vois, ça peut être pour du Twitch. Enfin, ok. Voilà. Oula, c'est bizarre ce que je viens de faire. Alors. Design d'interface web application. Ah oui, d'accord. Je comprends. Et... Je suis désolé, j'ai perdu le chat, attendez. Hop là. C'est de retour. Il y en a un que j'ai sauté comme... Genre l'esthétique des sites. Ah oui. Donc c'est ce que tu me disais. Ok, très bien. Bah, c'est cool. Alors on va voir un rose et bleu, qu'est-ce que ça donne. Sympa. C'est sympa. Je vais mettre un peu de violet. Je vais mettre un peu de vert, parce que j'aime bien quand il y a du vert. Et un peu de jaune. Non, pas de... Alors, si, le vert extérieur, putain. Je participais à mon propre défi afin de donner des conseils et des tips aux participants. Et bah, c'est trop cool. Et bah, tu sais quoi? Je vais aller te follow afin... Attends. Comment je fais? Comment... Alors, voilà. Maintenant, pour... Je peux avoir ce que tu fais. Normalement, Kevin, ah, maintenant... Attends. Ah non, les... Ah, putain. Les trois images de badge doivent être fournies. Alors attendez, je vais faire des droplets parce que vraiment... Ah, tu dois faire les trois formats, c'est ça? Ouais. Oh là. Je vais me faire un truc automatique parce que vraiment, je suis un flemmard. Ouais. Vous me connaissez? Non, vous me connaissez pas. Et eh ben avec plaisir, Vix. Déjà, c'est aussi pour te remercier de m'avoir raid parce que c'est vraiment trop gentil. Voilà, j'ai fini. Ah, ouais, il faut vraiment les trois images qu'il faut être... Putain, mais ça va être long. Mon dieu. Ça veut dire quoi, un squat? Pourquoi un squat? Est-ce que tu fais des squats quand t'as des follow? C'est bien, cette idée. Oh, mais c'est trop bien! De quoi? Un squat, un follow. Ah. Enfin, un follow égale un squat. Trop bien, stylé, squat la chaîne. Trop bien. Vous êtes deux artistes. Vous êtes deux artistes en herbe, GG à vous deux. Oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Après moi je suis censé être un artiste pro en oui, vrai. Alors, Fabien, mais là je suis un petit peu fatigué. Non mais puis surtout t'as pas, enfin je veux dire t'as pas l'inspi. Ça arrive, il y a des soirs comme ça. Moi tu me demandes de préparer ma classe, enfin maintenant là. C'est un peu comme si je faisais deux journées là aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà, donc je suis un petit peu fatigué. Ce soir, ce sera du plaisir, donc ça ira mieux, mais là je suis un peu crevé. Là, c'était pas du plaisir, Fabien. Si, c'était du plaisir parce que t'étais là. Je fais mes petites ombres et j'arrête. C'est allez. Bah, Fabien, vas-y, je te laisse. Moi, je suis infographiste 3D. Du coup, c'est vrai, j'en ai pas trop fait sur ma chaîne pour l'instant, la 3D. Je me garde ça en mémoire. Enfin, en mémoire, en cartouche. Je fais du dessin 2D aussi. On va faire Inktober avec Camille. Oui, j'ai trop
squat. Ouais, c'est gentil. Merci Kevin pour l'encouragement. Salut Blix. Blixel. Comment on dit Blix? Ah oui, Blixel, moi je t'ai dit Blix, mais j'ai pas lu le L. C'est mes Blixel. J'ai dû enlever mes lunettes. Voilà. Pour pouvoir voir ça. Bah voilà, là c'est des badges pour les beats que j'ai fait. Voilà. Après, par exemple, je peux te montrer. Si tu vois, là le fond c'est moi qui l'ai fait. Le petit icône là qui tourne juste là. Là c'est moi qui l'ai fait. Voilà, le fond starting soon là, voilà. Tout ça c'est moi. Et il paraît que le son est mauvais, je suis désolé, je vais essayer de solutionner ce problème là, mais c'est bizarre. Vous avez un son dégueulasse. Ouais, ça je fais pas d'habitude donc ça va vite. Ouais. Peut-être redémarrer mon PC, on va voir. Et du coup, moi, juste pour te répondre, je suis plus prof. Voilà, c'est tout. C'est vrai que j'ai beaucoup trop parlé. Non, tu rigoles. Pas du tout. Apu, le singe dans Aladdin. Apu. Ah non, non, le vendeur dans les Simpsons. Simpson. Ouais, c'est Abu, le singe dans Aladdin. Ah bah là je vais pas lui faire donc du coup vu qu'il a le prof de primaire du coup. Oui, en fait j'ai des grandes sections et des CM1, CM2 cette année. Tiré pour vous deux alors. Et oui. Et oui. hop, je fais juste ça. Allez. Moi je vais vous laisser là le temps de finir les 2-3 petits trucs. Je vais faire un petit sum. Enfin manger un petit bout aussi. Avant le super live sur Pico Park, on va être 8. On va se cracher dessus, il va y avoir des amitiés qui vont être rompues. Si vous voulez voir de la rage, n'hésitez pas à revenir à 21h. Surtout chez Camille. Revenez à 21h, surtout chez Camille si vous voulez voir de la rage. Si vous voulez me voir rage kit et partir sur autre chose à 21h30. Ah, j'espère pas. Non, c'est faux, bien sûr que non. Mais voilà, n'hésitez pas à aller du coup au fond de Fabien. C'est gentil. Moi je vais m'arrêter aussi parce que j'ai fini. Je suis trop contente. Bah, il est trop joli. Trop joli celui que t'as fait. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, je m'arrête là. Je vais essayer de mettre ça en place avant de partir. Comme ça, ça sera fait. Et je vous fais des gros bisous. Allez. Je vous souhaite un bon appétit. Gros bisous. À bientôt, les amis. Merci encore pour le raid et pour les follow. Ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. À tout à l'heure.